très tôt, je me suis aperçu très tôt qu'en fait j'aimais la musique, mais mon premier penchant c'était plus la danse en fait, ma façon de m'exprimer sur la musique. Donc je sais pas, depuis tout petit j'avais une envie, et bon ça a commencé, bon là c'est ma mère qui me raconte ça, hein, dans les mariages, les petits baptêmes, tout ça, à ce qui paraît j'arrêtais pas de danser, j'étais tout le temps en train de bouger quoi. Puis après est venue la musique hip-hop. Et là, c'est plus vers, j'avais 11-12 ans où là j'ai commencé à danser la danse de rue en fait. Ça m'a pas quitté en fait, même jusqu'à aujourd'hui. C'est mon premier amour pour le mouvement hip-hop en fait, qui regroupe en fait plein de disciplines, ouais, comme le graff ou les espèces de fresques qu'on fait sur les murs, la danse et donc le rap aussi. Tout ce qui est mouvement de rue, en fait, que je vais appeler un mouvement de rue, c'est on n'a pas de professeur, en fait. C'est le truc, c'est trouver des trucs soi-même, trouver des trucs à l'intérieur de soi. C'est-à-dire quand on danse, on n'a pas un professeur pour nous montrer, je sais pas, comme par exemple dans toutes les autres disciplines, dans le modern jazz ou dans le classique, où tous les pas ont un nom. Tandis que là, forcément, c'est pas tous les pas qu'on dénonce, quoi. C'est des fois on invente, c'est quelque chose qui sort de nous, c'est une personnalité qu'on retranscrit, c'est un mouvement ou alors une émotion qu'on a sur le coup. Si on veut représenter un robot, on le fait. Si on veut imiter la voiture, on l'a fait. Si on veut, c'est vraiment une danse. On imite tout ce qui nous entoure. C'est vraiment une danse qui représente notre milieu et tout ce qui nous entoure, quoi, notre entourage. On est copains depuis tout petit en fait. On s'est rencontrés, ouais. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, par exemple, il jouait très bien au football et il était en train de jongler, mais il était tout petit. Alors ça faisait que le ballon était 3 fois plus gros que sa tête, que son corps même. Il était là, il jonglait avec ses petites jambes et tout. Et puis en fait, il frimait un petit peu quand même. Il était là en face de moi et moi j'étais épaté. Je fais, oh là là, comment tu fais et tout. Et puis bon, il dit, ouais, je suis dans un club, tout ça. C'est le plus lointain souvenir que j'ai de lui. C'est ce souvenir-là, quoi. Un mec qui met pattes au foot, qui joue. Après, comme on s'intéressait au même mouvement, tout ça, on allait dans les mêmes soirées, on sortait tout le temps ensemble avec plusieurs amis du quartier, quoi. On voulait se démarquer. Donc, nous, on voulait créer un groupe. Positif quoi, un groupe qui fait des choses bien quoi. On représentait toutes les disciplines. Donc il y avait mon frère qui représentait l'art graphique, moi c'était la danse avec Arlini, et il y avait des rappeurs aussi comme Sony MC, Stryker D et donc Solar. Donc ça c'était une base. Donc après ça, quand il a démarré et qu'il a signé son contrat pour Bouche de là chez Polydor, il avait besoin de danseurs derrière et donc automatiquement il m'a appelé. Il n'est pas allé chercher super loin puisque ses amis le faisaient. Son succès en fait, mine de rien, nous on en a profité aussi. Donc là avec lui j'ai découvert beaucoup de choses. Je lui dois beaucoup de choses quoi, beaucoup de découvertes, notamment de plein de voyages, des pays. Ça m'a élargi l'esprit, j'ai vu trop de choses. C'était même la première fois que je prenais l'avion quoi, pour aller en concert et tout. C'était vraiment, à chaque fois je faisais des découvertes, c'était super. En plus là on était rémunérés et tout, on était épatés. On fait, oh, mais nous on dansait pour rien à la base et là on fait exactement la même chose. En plus de ça on voyage, on nous nourrit, pour nous c'était le paradis quoi. On tournait souvent en camion, quoi. On était souvent sur les routes. Et en fait, on avait des cassettes d'instrumentaux. On mettait ça, et puis tout le monde rappait. On faisait un freestyle, c'est-à-dire un style libre. On dit n'importe quoi sur le beat, mais et souvent on se faisait chambrer. Alors, c'est-à-dire on se vannait gentiment, toujours esprit bon enfant, quoi. Et donc fallait trouver le moyen de répondre aussi. Alors donc moi là-bas je suis danseur, donc j'étais mal. Alors ils me chambraient et tout, etc. Donc un jour je me suis mis là, hop, j'ai écrit des petites vannes, j'avais préparé mon texte le soir et hop, le lendemain dans le camion ça vannait et tout. Et puis là ça m'a donné un petit goût pour l'écriture. Là j'ai écrit un texte sur ce. Et à la fin de ses concerts, Claude fait toujours un freestyle et invite des gens qui sont ou sur la salle, ou dans la salle, je veux dire, et ils montent sur scène et lâchent un texte à eux sur un tempo que le DJ envoie. Il m'a tendu le micro, m'a dit vas-y, et puis j'ai rappé, et puis là, tout d'un coup, il fallait pas que je touche le micro, quoi, ça m'a touché de plus en plus. Et là, après, j'avais envie
d'écrire des choses qui me touchaient plus moi. Donc c'est comme ça que ça a démarré en fait. J'ai commencé à écrire. Ensuite, Claude m'a invité sur l'album Prose Combat, sur un morceau qui s'appelle Les Relations Humaines. Et donc là, c'était notre première collaboration. Et là encore plus, ça m'a donné encore plus envie. C'est comme s'il mettait le pied à l'étrier, quoi. Là, je débute avec un morceau humoristique en fait, puisque en fait, faut vraiment le prendre au troisième degré. C'est un morceau. Je voulais me différencier. La première intention, c'était de se différencier. Si je venais avec un texte de fête, tout le monde l'a fait. Si je venais avec un texte, ça faisait un rappeur parmi tant d'autres. Fallait que j'affirme ma distinction. C'est-à-dire là, on se dit, oh là. Et lui, comment il s'appelle, lui? Et voilà. Et là, comme ça, on retient. Mais bon, là, donc, l'homme objet, ce titre-là, pour l'écrire, par exemple, je me suis mis dans la peau d'une femme. Je m'étais dit, en fait, les femmes, souvent, c'est une réflexion de femme que j'ai mis en version, masculine, quoi. Souvent, les femmes disent, oh là, ces garçons veulent de moi, juste pour mon corps, tout ça et tout. Hein. Et là, je trouvais ça marrant. Je te dis, mais. Oh, pourquoi elles se plaignent et tout? Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive. C'est une espèce de fantasme. Alors moi, j'ai dit, ok, je vais faire l'inverse. Alors, je vais dire les femmes, j'en ai marre que les femmes veulent que de moi juste pour mon corps et tout ça. Et là, après, c'est de la pure mythomanie ou du délire, quoi. C'est vraiment un délire, le morceau. Non, il y a plein de choses. En fait, quand je prends un sujet, j'aime bien. Zapper sur ce sujet-là, c'est-à-dire une fois que j'ai fait bon un texte humoristique, bon un texte qui parle sur le sexe, ok, clac, maintenant autre chose, tac, un texte qui parle là des hypocrites puisque j'étais en studio hier, donc un texte sur les hypocrites, hop, je zappe. Là, je sais que j'ai plein de textes qui parlent à chaque fois de d'autres choses quoi. Donc c'est mon concept à moi, c'est de faire voir ma vision des choses, comment je vois les choses sur plein de sujets. C'est-à-dire là, j'ai commencé avec ce sujet-là, ce morceau-là, parce que je savais que si je commençais par un autre, on allait me confondre dans la masse. L'album sera différent sur chaque morceau, ça sera un nouveau truc, quoi. Et ça fera, je pense que ce sera un album à écouter.